Bien, salut tout le monde, c'est Sapeu, et un petit merci à Misaki, à Mei Misaki. Ah, il a bougé. Du coup, c'est parti pour Invest3 Quizum sur la bêta test. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Ça commence. est-ce que je passe invisible tour 1? Oula, ils ont pas très haut level en face. Hop, alors je vais spammer les poisons, même si c'est un Enerypsa, il peut se debuff. Je vais pas passer invisible tour 1, je pense contre eux, ça devrait aller de pas faire invisibilité. Et du coup, un petit Invest3 Coliseum comme ça, ça faisait longtemps. Est-ce que je reste là ou est-ce que j'avance? Est-ce que je recule? On va rester là. On va rester là, allez. Qu'est-ce qui se passe? Alors, me demander si c'était ça peut. Alors, du coup, il y a un SRAM 168 full air. Alors, lui, il a beaucoup de tacles. Hein. Ouais, il est full air. D'ailleurs, je sais pas pourquoi il met des pièges de masse et tout parce que. Agile, je suis pas sûr que ça tape bien. Invisibilité d'autrui sur son pote. Il y a un Eni qui est 9,5-160 et un Xelor 10,5-156. Donc, quoi, ouais, ils sont pas très level. Mais t'as, c'est toujours le problème quand j'essaie de faire des 1v3 Coliseum. Soit je me tape 3 levels 200, soit je me tape 3 levels 160. Et bon, 3 levels 200, c'est pas trop gérable souvent. Là, c'est peut-être même trop simple. Enfin, après, je sens qu'il reste pas gagné encore. Mais il devrait se debuff logiquement. Il devrait se debuff plutôt que il dev. Enfin ouais. Alors, est-ce qu'il va le faire? Moi j'espère qu'il se debuff pas, hein, mais bon, après c'est lui qui voit. Il a un silence et il a un insidieux. Il passe son tour, d'accord. J'aurais dû garder le silence pour le Xelor peut-être. Donc là ils sont en placement. En plus c'est un énième, ça c'est chiant parce qu'il va falloir vite le tuer celui-là. Parce qu'il va se soigner, il va se reconce, ça va être chiant. Alors, aiguille chercheuse. What, qu'est-ce qu'ils font putain? Aiguille chercheuse. Ah ok, pour venir me faire chier. Ouais, c'est vrai que c'est chiant. Mais bon, il a pas boost l'aiguille, donc un peu dommage ça. Alors toute sa team à l'EPA, c'est bon. Fuite. Bon, je vois où il est, donc dans tous les cas, pas grand intérêt. Ah non, il est pas là. Ah non, il est à côté alors. Alors l'aiguille, elle fait chier. Hop, je vais passer invisible, je pense. Ouais, hop. On va caser du poids. Aïe. Ouais, il tape pas mal, hein, le SRAM en full air là. On va placer ça ici. Je me bouffe son piège de masse à la con. C'est pas grave. Alors à mon avis, ils sont tous dedans. Hein. Dans le piège là, ils vont tous le bouffer. Ah non, pas lui. Lui, il était un peu plus devant. Donc piège de silence, il l'a envoyé juste là. Ouais. Je pense qu'il doit être par là. Vu qu'il est resté dans la ligne. Alors est-ce qu'il va reculer ou est-ce qu'il va avancer? On va voir, ça dépend. Soit il déclenche les pièges, il recule. Soit il les déclenche pas, c'est qu'il a avancé. Ou alors qu'il allait sur le côté. Je le verrais bien aller vers là, moi. Je pense pas qu'il va trop rush. Moi, il a pas reculé déjà. Alors l'Enerypsa, qu'est-ce qu'il va nous faire? J'ai pas mis d'esquive PA alors qu'il y a un Xelor, donc ça va être un peu chiant ça. Il perd que 1 PM. Putain, mais c'est une blague. What? C'est pas, oh putain, c'est vraiment des trolls. Hein, parce que encore le Xelor a beaucoup d'esquive. Ok, mais l'Enerypsa il en a 24. J'ai combien de retraits moi? J'en ai 46. C'est le double. Ok, il commence à soigner. Bon, ça va, ils sont pas des masses. Lui, il faut aller le one turn. Hein, clairement, là il a des poisons. Ah, fait chier. Il se prend en plus. Ouais, le piège silence fait pas trop mal vu qu'il a pas utilisé beaucoup de PA. Je pense que je vais me bouffer le piège de silence du SRAM hein, parce que je vois pas trop où il l'a mis. J'ai essayé d'avancer, on verra. Le Xelor par là-bas en plus, donc ouais, je vais aller par là, on verra bien. Au pire, tant pis, je me prendrai le piège. Ça me fera 300 dégâts, je pense. Qu'est-ce qu'il fait? Il essaye de me trouver là? Je pense qu'il essaye de me trouver. Alors, est-ce que je bug? Non, c'est bon. Alors, est-ce que je me. Non, il n'y a pas eu de piège, donc c'est bon. On va faire. Hop. Hop. On va mettre un piège mortel. Et normalement ça le tacle. Est-ce que je reste derrière? Non. Je vais plutôt aller là. On va se planquer ici. Mais là l'Enerypsa va peut-être commencer à se soigner. Mais en tout cas il a le mot de prévention. Ça fait chier ça. Sans le mot de prévention, je l'aurais kill là, avant juste de. Enfin pile le tour où je repasse visible. Bim, je mets 2 AM et. Là, je peux vite l'enlever, l'Enerypsa. Parce que là, ouais. Alors, lui, il fait des poisons. Mais alors, en plus, il est invisible, du coup, je vois pas où il cible.
Mais je pense pas qu'il, je pense qu'il est un peu hors sujet là. Enfin quoi que, pourra peut-être me trouver. Est-ce qu'il a réussi à m'en mettre un au moins? Non. Pour l'instant, j'ai pris aucun poison parce qu'il en a testé 3. Là, il se prend 400 dégâts de poison. En revanche, les Niripsa. Un mot de frayeur. x2 normalement. Ah non, bah il se bouffe le mortel à 500. 500 dégâts. Dommage, j'ai pas pu les rôder parce que là, s'il se soigne maintenant, ça me fait chier. Mot de silence, il me trouve pas. Ouais, l'Inirupsa est pas très très au petit. Hein. Encore le SRAM, franchement, le SRAM est pas mal hein, parce que. Il est en 12-6 de base, non? Non, il est en 10. Non, il est en 12-6. Donc, ouais, non, il est en 12-5, pardon. Donc, ouais, il est pas mal du tout le SRAM. Hein. Parce qu'il a beaucoup de tacles et tout. Ça, en PvP 1v1, d'avoir du 116 de tacles, ça peut être intéressant. En revanche, l'Inirupsa est moyen. Et bon, le Xelor, ça va, il est normal. En gros, on a. Niripsa, enfin je parle que niveau stuff, hein. Très moyen, un SRAM bon et un Xelor moyen. Niveau stuff juste. Il m'a trouvé. J'ai esquivé la perte de 3 PA. Bon, il m'a trouvé, c'est le dernier qui joue donc ça va. Je vais aller tuer les Niripsa tranquillou. D'ailleurs, il a encore du poison donc je vais pas pouvoir. Enfin, il n'y a pas besoin de s'acharner dessus logiquement. Il va me faire 180 dégâts. Il tape pas mal hein, le Xelor. Bon, hein, j'ai pas trop de résistance encore, ça va. Du coup, j'ai juste calé. Aller. Ah non, mais je suis encore invisible donc non, on va pas. On va pas. Aïe, je me suis bouffé un piège. Il tape même. Il doit être en quanti, hein. Je vois pas d'autre solution là. Il doit vraiment être en quanti. On va pousser. Putain. C'est pas mes barres de sort de version officielle. Du coup, je me paume un peu. Je retrouve pas mes sorts, mais bon. Hop là. Bon, alors normalement, il va crever là. J'ai même abusé parce que. Il n'y avait pas besoin de mettre un piège de masse. Ça aurait suffi. J'aurais pas dû le mettre d'ailleurs. Alors voilà, le SRAM est là. Il a pas beaucoup de vita en revanche, ouais, c'est ça des fois j'avais pas fait gaffe, il a pas des masses de vita. Mais bon, il est full air je pense, hein, ouais, niveau stat il doit faire mal. Alors il me trouve ou pas? Non, raté, il a encore 11 PA donc ça va, il a encore de quoi tester. Il devrait tester, ah il est dans loupé, là il pourra pas me trouver parce que. Un SRAM R c'est linéaire et du coup bah du moment que je suis. Ah non, il est RTR peut-être, mais du moment que je suis en diagonale ça fait moins mal quoi. Et puis bon il. César Arnaque il va pas me faire en diagonale. Non, peut-être le dernier, non même pas, il m'aura pas trouvé hein. Dommage, il a utilisé 14 PA dans le vide. L'Inirupsa il meurt. Donc ouais non là ça devrait aller là. En plus je peux carrément tuer le SRAM juste maintenant là. Vu qu'il est juste à côté de moi, j'ai juste à faire AM AMCAC. Et 1400-500, pas sûr mais. Si je fais un peu de crit, ça devrait aller. Lui, il me trouve direct. Ah bah non, là, je peux plus faire AM AMCAC. Du coup, bah, le SRAM pourra peut-être tenir un tour encore. On va voir. J'ai 10 PA. Il faudrait qu'il mette au moins 8, quoi. 8, ça m'irait. Moins de 8, ça me fait un peu chier. On va faire 2 AM, ouais. 8 PA, pour l'instant, ça va. Ouais, c'est bon, 8 PA. On va... Hop, 750... 705, 730 et il a combien de PM? Faut pas mettre ça comme ça. Le double va venir le faire chier. Non, il a carrément beaucoup de fuite, hein, parce qu'il se fait pas tacler du tout sur du 48 de tacle. Il est full air. Vraiment, là, c'est la full air. Oui, il tape moins en coup critique avec mes résistances crit. Ça fait plaise. 120 res crit, c'est utile. Enfin bon, contre des level 150, ce sont pas souvent une chance sur deux. Donc là, le SRAM devrait crever à mon tour de jeu, sauf si j'ai pas 7 PA. Et après, ça sera du 1v1 contre un Xelor, mais j'aurai pas toute ma vita, pas du tout. Je serai à peu près à 2000 de vita normalement. Mais bon, ça devrait être gérable. Ouais, c'est pas été un combat de ouf. J'essaie d'en filmer un autre, après on va voir. Parce que bon, après, vous allez encore râler dans les commentaires. Oui, ils étaient nuls, je sais pas quoi. Alors, moins 2 PA. Il fait dévouement. Et rollback. Bien joué, bien joué. Alors, est-ce que je vais pouvoir quand même le tuer? Ouais, je pense que je peux quand même le tuer, sauf s'il a des pièges, mais je pense que ça devrait aller. Puisque là, je fais poison insidieux plus piège de masse. Aïe, je me bouffe un truc là. Piège d'immo. Je me bouffe un piège de silence, ça fait chier, mais si je le tue. Ah non, je vais quand même le bouffer. On va faire ça comme ça. Hop. Hop. Et un piège, j'ai pas la PO. J'ai pas la PO, 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 PO. Je vais me bouffer un gros piège de silence là. On va mettre un piège mortel ici. Nickel, il devrait crever. Voilà. Bon, allez, il reste plus que le Xelor. Et j'ai l'invisibilité après, donc ça devrait aller. Y a pas de mystère. Finalement, ça passe pas non plus ultra safe. Je suis mid life.
Mais franchement, faut, même si les mecs sont pas très level, pas très opti et tout, faut pas croire que c'est simple du tout. Parce que bon, en plus, la map est pas du tout faite pour moi. Sur une grande map, ça aurait été encore plus facile, mais là, ça l'est pas trop. Mais c'est pas simple du tout. Il y a trois mecs et les trois jouent à la suite. Ils peuvent faire des bonnes synergies. Bon, après, les mecs se connaissent pas forcément et tout, mais c'est pas simple du tout. La preuve, c'est que j'ai dû. Je crois que c'est mon cinquième essai là. Hein. Enfin bon, après, je me suis tapé 2-3 combats contre des level 200, donc bon, c'était pas trop gérable en gros. Mais ouais, quand même, c'est pas si simple que ça. Puis de toute façon, je rappelle, on est là pour s'amuser, faut pas se prendre la tête. Même si le combat est pas ouf, ça sert à rien, on n'est pas là pour faire un concours systématiquement, on s'en fout un peu. Alors, Lenny Rimsa déco. Enfin quoi, voilà, c'est pour vous les vidéos. Enfin moi, ça me fait. Bon, je suis content de les faire, mais. Enfin, c'est tranquille quoi, faut pas se prendre la tête, quoi. En gros. En gros. Enfin, en gros, dites-vous que c'est soit ça, soit je peux aussi rien faire comme vidéo, mais bon, moi ça me dérange pas. Alors, tu vas la poster la vidéo, je sais pas, parce que je sais pas vraiment si je vais la poster. Si je trouve pas mieux qu'en combat, pas plus intéressant, je la posterai peut-être, on verra, on verra. Enfin bon, je dis bien joué, mais c'est pas totalement fini, hein. Il faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Ouh là là, je galère sur mes lignes de vue. Bon, les Nyxaras, on va jouer comme ça du coup. Ça sera plus simple, on va faire du poison. Tac 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 tac. Je suis à 40% de vita. On va pas faire un long feu là, le pauvre Xelor. Alors beau faire tout ce qu'il veut, Xelor c'est pas une classe qui se joue en 1v1 quoi. C'est vraiment tout sauf du 1v1 Xelor. En PvP multi en revanche c'est très bien. Pas très intéressant qu'en combat. C'est vrai que c'était pas le combat le plus intéressant. C'est pour ça que je pensais en filmer un autre, c'est dommage. Parce que Lenny Ripsa a pas été très décisif quoi. Mais bon, je pourrais peut-être le poster sur la chaîne secondaire au pire. On verra, on verra. Ah, il bouge pas. D'accord, c'est un thug. Il a pas intérêt à bouger là. Enfin, quoique, il peut se permettre encore, c'est des poisons. Bon, allez, bien joué à la team là. C'était à quoi la team rouge? La team rouge qui était composée de Neo Tsosa, de comment il s'appelle un mec de Menalt, Skilnivini, Skill Invi, et il y avait un Enirimsa de Bolgrot, je sais plus son pseudo. Bon, il va se tuer tout seul avec le piège de silence là, normalement. S'il utilise encore 2 PA, ça devrait passer le piège de silence. Ouais, je finis à 1000 points de vie, hein. Pas très safe tout ça. Après, j'aurais pu jouer un peu plus safe avec l'invisibilité qui revenait, mais bon. Hop là, donc voilà, un petit combat sympa. Je sais pas ce que j'en ferai parce que bon, c'était pas le plus intéressant non plus, faut avouer. Mais bon, après, c'est comme ça pour le fun, hein. Je rappelle que vous n'êtes pas obligé de regarder les vidéos, hein. C'est comme vous voulez. Je force personne, du coup, si ça vous intéresse pas, ne regardez plus jamais mes vidéos, c'est pas très grave, hein. Je vous en voudrais pas. Allez, je vais, bah, je vous dis à plus si je refilme pas un autre combat. Et bah, tout le monde, n'hésitez pas à laisser un pouce vers le.